Veuillez vous asseoir. The President, please be seated. The chamber is now back in session. L'audience. For this afternoon proceeding, the chamber would like to give the floor to the defense counsel. Nous allons commencer maintenant par entendre la défense. To make their observations and to make it brief on the question whether the civil parties shall be entitled or granted a right to ask questions on the character issues to the accused and the witnesses. You take the floor. La défense a la parole. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur Good afternoon, bon après-midi. Journalists, ladies and gentlemen. Generally speaking, based on Internal Rule 91.2 and Article 326 of the Code of Criminal Procedure, all parties can raise a question. Le droit de poser des questions. Specifically, on the issue of the character or personality of the accused, particulière sur la question de la personnalité de l'accusé. And as it is decided by the chamber, the civil party lawyers have no right to make their submission on sentencing or on the legal matters related to sentencing. N'ont pas le droit d'intervenir dans les questions relatives à la détermination de la peine. What is the purpose of putting questions on the character of the accused? What is the gain for the civil party? Et quel est l'intérêt alors pour les parties civiles de poser des questions à l'accusé concernant sa personnalité? Not to maximize or minimize their civil claims. Cela ne concerne pas les the question of the character of the accused concernant les réparations. Has only sole purpose is whether to prove the guilt or the innocence of the accused. And the civil parties have no obligation in the prosecution or in legal submission regarding this matter, so they shall not be granted the right to ask questions on the character to the accused or to the witnesses. That is point one. Soit à l'accusé, soit au témoin. Point two. C'est une première chose. Deuxième chose. In the submission regarding the legal aspect, the chamber weighs the equality of arms in order to ascertain the truth, to find justice. Dans, la recherche de la and vérité. Justice is not de la justice. To be done to, for only the civil party or the victims, or, but it shall be done for the accused as well. Pour les parties civiles, il vaut aussi pour l'accusé lui-même. Therefore, justice can only be achieved when justice there is an equality of arms. Que s'il y a égalité and how des can armes. We achieve that? Comment obtenir we cette égalité can des see armes? That there are two co-prosecutors on representing the victims, and they have the obligation to put questions on the accused character in order to provide the burden of proof on the accused, or to provide inculpatory evidence on the accused. And on the contrary, we, the defense counsel, will have to find the exculpatory evidence for the accused. And if the four groups of the civil parties are granted the right to put questions to the accused regarding his character, then certainly it can be seen there is no equality of arms. And of course, this is at the discretion of the president and the judges of the bench.
Commons to find justice. And this is my observation, Mr. President, and I would like my international colleague to make further submissions. Je vais laisser la parole à mon confrère. The President, the International Defense Council, you may proceed. Président Maître Roux, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Maître Roux, thank you, Mr. President. Nous sommes dans, tout le monde l'aura compris, dans un débat extrêmement intéressant. Have entered of an extremely interesting area of debate, and la décision que rendra la Chambre sera certainement regardée avec beaucoup d'attention par tous les juristes nationaux et internationaux qui suivent tous ces procès et particulièrement le nôtre, notamment qui le suivent sur la question de l'accès des victimes aux procédures internationales. Vous avez rendu ce matin une première décision que la défense attendait pour savoir quelle était la voie que traçait la Chambre. Les choses sont plus claires maintenant. Nous avions toujours dit pour notre part que les parties civiles ne devaient pas intervenir sur la question de la peine. Alors, au début de mes observations, je dirais que j'ai été très flatté que mon collègue du bureau du procureur me cite abondamment. Et je n'ai pas l'habitude de me contredire ni de me renier. Mais dans ce petit jeu de citer l'autre, je sais faire aussi. Et je vais donc commencer, Monsieur le Procureur, par vous citer. Vous avez dit à la Chambre, tous les témoins vont vous aider à vous déterminer tant sur la culpabilité que sur la peine. Et je pourrais m'arrêter alors de plaider, puisque la Chambre vient de décider que les parties civiles n'ont pas à intervenir sur la peine. Elles n'ont donc pas à interroger les témoins qui vont parler indirectement de la peine. Puisqu'il est clair que lorsqu'on parle de la personnalité, on parle forcément de la peine. Quand on analyse la personnalité de l'accusé, c'est parce qu'on cherche à partir de cette personnalité, à individualiser la peine. Nous sommes en droit pénal. Quel est le principe fondamental du droit pénal depuis M. Beccaria? C'est le principe de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire que devant les mêmes faits, deux accusés peuvent être condamnés différemment parce que leur personnalité va être différente. C'est ça la personnalité. That is what personality or ça regarde la personnalisation de la peine. Goes to an individualization or personalization of the sentence. Alors à ce stade-là déjà, and at this stage on already, peut se poser la question, qu'est-ce que cela a à voir avec la demande d'indemnisation des parties civiles? With the request for indemnification, puisque le rôle des parties civiles, c'est un, d'exprimer leur souffrance, et deux, de réclamer une indemnisation.
redress. Qu'est-ce que la personnalité de l'accusé a à voir avec l'indemnisation des parties? Personality or the character of the accused play in regard to these two aspects. Toujours pour reprendre ce qu'ont dit mes contradicteurs, Maître Alain Werner nous a longuement expliqué que depuis cinq mois, les parties civiles ont à maintes reprises eu l'occasion de poser des questions sur le caractère de l'accusé. Dont acte. Vous avez donc posé toutes les questions que vous souhaitiez sur le caractère de l'accusé. Vous savez aujourd'hui tout ce que vous vouliez savoir. Pourquoi voulez-vous maintenant, sur des témoins strictement de personnalité, poser encore de nouvelles questions? Vous avez longuement détaillé toutes les questions et que vous avez eu l'occasion et l'opportunité de poser à l'accusé, aux experts et à différents témoins. Nous pouvons considérer que vous en savez assez. Et mon confrère Maître Werner a invoqué de manière très habile la civil law. Civil c'est amusant. Well, that's je vous ai entendu depuis le début de ces débats nous expliquer qu'il ne fallait pas se cantonner à la civil law, mais quand ça vous rend service, vous invoquez le droit romano-germanique. Or, vous n'avez cessé depuis le début, de chercher à déborder ce droit de la civil law. Vous nous avez longuement expliqué que vous aviez le droit d'intervenir sur la peine, que vous pouviez même faire entendre des experts pour cela. Vous avez cherché à tout moment à déborder la civil law. Alors, souffrez que nous, de notre côté, nous revisitions aussi la civil law. Parce que, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, les coprocureurs et les avocats des parties civiles ont parfaitement raison. Dans la civil law pure, il est évident que les parties civiles peuvent interroger tous les témoins et tous les experts. Je vous le confirme, il n'y a pas l'ombre d'une discussion dans un procès national de civil law. Le problème que nous cherchons à vérifier ici, c'est comment on transpose les règles du droit national dans un procès international qui porte sur des crimes de masse. Et vous allez me comprendre. Quand nous sommes dans un procès national de civil law, où vous avez un accusé qui a commis un meurtre et où vous avez une, deux peut-être parties civiles. Ma foi, si la partie civile vient à laisser déborder sa souffrance, ça peut arriver, mais ça ne va pas plus loin. But it won't go any further than quand nous sommes dans un procès comme however, celui-ci qui touche à des crimes de masse, such as this one, dealing with mass si vous crimes, avez une, deux, trois, cinq, dix, vingt et plus parties civiles qui viennent laisser échapper leur légitime souffrance, on se retrouve dans une situation ingérable sur le plan du procès équitable. Parce que l'accusé n'a plus à faire face seulement à un procureur, mais à 20, à 30, à 50 procureurs.
Et quand j'ai dit tout à l'heure que l'on n'était pas sur la place du marché, mais dans une enceinte de justice, c'est ça que j'ai voulu exprimer. In a forum of law here, that is what et c'est I plus say. Compliqué encore and dans notre cas, où vous avez un accusé qui plaide coupable. Et on se trouve dans une situation complètement inattendue où vous avez quelqu'un qui est face à toutes ces personnes qui viennent l'accuser et qui se défend à peine et qui reçoit, comme je le disais ce matin, des paroles d'une telle violence qu'elles ressemblent à des pierres lancées sur lui. Hearing words of such violence that it's as je if dis he were pelted à mes confrères des partis civils, and I repeat for my vous êtes pris pour des procureurs. You took yourself et c'est to be ça le problème auquel nous and devons faire face aujourd'hui. Vous êtes pris pour today. Des procureurs. You thought you had become prosecutors. J'allais vous dire comment cela. Vous ne faites pas confiance au travail du bureau des coprocureurs? Vous n'êtes pas satisfait du travail du bureau des coprocureurs? Pourquoi cherchez-vous à les remplacer, à les déborder? Si je reprends un dicton français qui dit « qui sème le vent » récolte la tempête. If you sow the wind, you will harvest mesdames storm. Et messieurs, mes confrères des partis and civils, vous avez semé le vent et vous récoltez aujourd'hui la tempête. Parties, vous and avez today, été surpris que la Chambre se pose la question de savoir s'il fallait continuer à ce que vous comportiez comme des procureurs. C'est ça la question qui est venue vous poser la Chambre. Alors oui, vous avez le droit de la civilo pour vous. C'est vrai. Si l'on prend les textes à la lettre, vous avez le droit pour vous. Mais le droit est une matière vivante. Et plus particulièrement, nous sommes ici, nous le savons bien, dans un tribunal qui crée du droit. Alors, à l'attention de mes confrères et de la civil law et de la common law, je voudrais rappeler les débats que nous avons aujourd'hui dans mon pays. Sur la place, justement, des victimes dans le procès pénal. Et puisque mon confrère Werner a très opportunément cité un grand d'entre les grands, un grand avocat, un grand ministre, un grand président du Conseil constitutionnel, je veux parler de M. Robert Badinter. Je veux rappeler ce que M. Robert Badinter disait dans un article publié dans le journal Le Monde, intitulé « Ne pas confondre justice et thérapie ». Nous sommes au cœur de notre sujet. Je vous lis, dit M. Badinter, il faut rappeler que la justice pénale n'a pas pour mission d'être une thérapie de la souffrance des victimes. Elle a une fonction répressive, dissuasive et expressive, car elle exprime les valeurs de la société. Mais elle ne saurait avoir une finalité thérapeutique. Au nom
de la souffrance des victimes, in the name of the suffering of victims, qui appelle toute la solidarité de toute la société. Calling upon the solidarity, nous ne devons pas altérer le difficile équilibre de la justice pénale qui repose sur les principes du procès équitable inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Or, ajoute M. Badinter, nous assistons à une sorte de dérive. We are seeing se proclamer du côté des victimes est toujours politiquement profitable. Qui serait contre? Who could be opposed? Nous sommes dans une société d'émotion qui se veut compassionnelle. Which wants to express compassion. Rien ne mobilise plus l'émotion que le crime et la souffrance des victimes, décuplée par la médiatisation et la puissance des images à la télévision. Cela nourrit la pulsion de vengeance qui est au cœur de la réaction humaine en présence d'un crime atroce. With a horrendous crime. Mais la justice ne peut se confondre avec la vengeance ni avec la compassion pour les victimes. Nor can it be confused with compassion. C'est ce qui rend son exercice si difficile. This is why it is so difficult to practice. Pardon pour ce détour un peu philosophique, mais je crois que face à des enjeux comme celui dont nous parlons, il est bon de se rappeler nos principes et nos difficultés. Alors, je voudrais proposer à la Chambre d'être pragmatique. Je pense en effet qu'il serait grave que la Chambre rende une décision de principe disant que les parties civiles n'ont pas le droit d'interroger l'ensemble des témoins qui viennent dans un procès où il y a des parties civiles. Mais je pense aussi que la Chambre devrait tenir compte du cas particulier de l'affaire Duc. Et que la Chambre devrait rendre une décision spécifique à l'affaire Duc. Specific to the Duc case. Et l'affaire Duc, and the Duc case, c'est un accusé qui plaide is the coupable. Case of an accused pleading guilty. Et si la Chambre veut bien faire un détour par la common law, is willing to look to j'ai assisté plusieurs fois devant les tribunaux pénaux internationaux des personnes qui plaident coupables. J'ai négocié avec les procureurs des pleas bargainings with the prosecutors. Et quand un accusé plaide coupable devant un tribunal pénal international, écoutez-moi bien, on se met d'accord avec le procureur pour que l'accusé puisse faire entendre des témoins de personnalité et le procureur ne les challenge pas. And the prosecutor does not challenge le procureur s'abstient the dans les plaidés coupables en common law de questionner les témoins de moralité. Refrains from questioning or challenging character witnesses. Voilà la solution. That is the solution. Voilà la solution. That soyons is pragmatiques. The solution. Let us be pragmatic. Répondons au cas d'espèce. Let us respond to the case we have at hand. Adaptez votre décision à la situation du procès Duc. Your decision to the circumstances of the Duc trial. Et
en même temps, at the same time. Toujours pour être pragmatique. And again, je fais une suggestion à la Chambre. I dare make a pour ne pas to the priver complètement in order les parties civiles to avoid de questions brûlantes qu'elles voudraient poser. From burning questions they may wish la to Chambre ask. Pourrait décider and the chamber que dans le cas d'espèce, could well decide les parties civiles that in this demanderont case, the civil au bureau des coprocureurs will qui retrouvera ainsi tout son the rôle of the de poser it lui-même its full certaines role. De questions and ask que les parties civiles the auraient souhaité of the poser. To ask questions that the civil parties would have liked voilà, to ask je crois them. Que nous pourrions well, avancer we could, perhaps, avec de telles solutions. Go forward with j'ajoute solutions. Encore let me qu'au niveau de la défense, that with regard to the defense, je comprendrai également que la Chambre I could also fasse une différence entre d'un côté accusé et témoin on the one hand, et de l'autre côté expert. And on the other je comprendrai pour ma part que les parties civiles aient la possibilité, soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur, de poser des questions aux experts. Mais de grâce, une fois encore, à condition qu'il leur soit rappelé, Monsieur le Président, j'insiste, pardonnez-moi, vous l'avez déjà fait, vous n'avez pas toujours été malheureusement suivi, mais qu'il leur soit rappelé que les questions qu'ils devront poser ne peuvent avoir trait qu'à leur souffrance et à leur indemnisation. Je vous remercie. Le Président, après avoir entendu les observations du Conseil de la Défense et après avoir entendu celles des coprocureurs de partie civile, la Chambre va à présent se retirer pour délibérer et nous allons lever l'audience pendant 30 minutes we will resume after 30 minutes. Et nous, après quoi nous reprendrons les débats. La greffière, veuillez vous lever.